c'est une école où le jeu est obligatoire, où l'absence de casque en salle de cours est très mal vue, et où l'animateur de la séance utilise un langage codé, en tout cas pour nous. J'ai commencé le guide pour le Power Spike en ADC. J'ai le guide des Jungle. Bienvenue à la Gaming Academy, première école à former des athlètes e-sport de haut niveau en 2 ans. C'est la première promotion, ils sont 7. Comme on est la première école en Europe à faire ça, oui, je me sens un peu un pionnier du milieu. Oui. Ça me rend très heureux parce que je peux faire de ma passion vraiment mon métier et je peux vraiment le vivre tous les jours. Et voilà, je sais que j'ai les clés pour pouvoir faire ce que je veux. Devenir professionnel, c'est leur but. Pro de League of Legends ou de FIFA. À la clé des salaires mensuels de 3 000 à 10 000 euros. Et pour les stars mondiales, c'est en centaines de milliers d'euros que ça se compte. Alors on ne ménage pas ses efforts. Faut faire mieux, Philippe, hein. 10 km/h, c'est pas assez. Dans la préparation, forcément, on va prendre en compte les efforts qu'ils doivent faire. Leur effort au niveau physique est complètement différent des sports, on va dire, classiques. Mais il y a quand même, quelque chose qui s'en rapproche, notamment au niveau de la posture. Quand je suis arrivé dans l'école, je ne faisais pas beaucoup de sport, je mangeais un peu n'importe quoi. Et grâce à Mathieu, j'ai perdu pas mal de poids depuis le début. Je me suis super bien et je me sens que mieux dans ma vie, donc c'est tout bien, quoi. Enfin, tout est bénéfique, tout est parfait, quoi. Comme pour les sportifs de haut niveau classique, les e-sportifs ont une espérance de carrière limitée. À 30 ans, c'est terminé. Ensuite, nous a-t-on dit, les réflexes ne suivent plus. Le e-sport, le jeu vidéo, c'est comme un nouveau monde qui se construit. Sur ce campus, 104 élèves se forment à cet univers en devenir. On y apprend le japonais, le coréen, le chinois. On y parle gaming, business et management. Il y a beaucoup d'avenir dans ces métiers, il y a des débouchés. L'e-sport connaît une forte croissance. Et on a besoin à la fois de structurer le secteur, le professionnaliser et qu'il y ait de nombreux e-sportifs et influenceurs également. Les 7 e-sportifs ont été recrutés en fonction de leur niveau. Excellent. Pour les frais d'études, c'est 7800 euros annuels, comme un investissement. Parce qu'ici, côté scolaire, le jeu, c'est plutôt la réussite.